à tous, bonjour les biquettes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer comment installer la bêta de Call of Duty MW3 qui va sortir bientôt. Donc pour installer la bêta pour pouvoir jouer sur Xbox, seulement sur Xbox, voilà. Alors, si vous avez, vous êtes préinscrit, pré-télécharger le jeu, pré-acheter le jeu, vous allez recevoir un message, dans conversation ici, voilà, dans Xbox, et ils vont vous dire, vous avez téléchargé le jeu, etc., veuillez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous, voilà. Vous allez cliquer sur le lien, ça vous envoie sur une page. Il vous demande de télécharger la bêta. Et après, vous n'avez plus qu'à attendre que ça s'installe. C'est environ une dizaine de mots ou un truc comme ça. Et après, vous n'avez plus qu'à lancer le jeu. Voilà, vous lancez le jeu. Hop. Je vais y arriver. C'était peut-être un petit peu long ou pas. C'est bon. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur le premier bouton Modern Warfare 3 bêta. Vous cliquez dessus et logiquement, ça s'envoie tout seul dessus. Si jamais ça ne marche pas, si malgré ça, ça ne marche pas, voilà. En fait, il faut alors aller à l'accueil, vous allez dans le store, voilà. Voilà. Et là, sur le côté, tout dépend où c'est pour vous. Moi, vous voyez écrit, l'accès, la bêta ouverte est un accès anticipé. Donc, il faut cliquer dessus. Voilà. Donc là, ça montre une petite image, mais ça, vous vous en foutez. C'est le gameplay. Hein. J'attends que ça se lance. J'appuie sur B pour venir en arrière. Voilà. Et là, il vous propose le jeu. Voilà. Alors, il faut cliquer sur la droite, sur choisir une édition. Voilà. Vous avez écrit, il est où ? Ah, il est comme par hasard, il n'est pas là. Ah. Donc là, il n'est pas là. Attendez, je vais y arriver. Hop. Ici, c'est quel est celui-là ? Alors, je regarde. Souvent, il est dans le dossier. Attendez, je regarde si je le trouve. Autre édition. Voilà, bêta. Propriétaire. Vous voyez, vous cliquez, vous descendez, bêta ouverte, vous cliquez dessus. Ça se met là, voilà. Et ici, à la place de gérer, il y a écrit installer. Voilà. Si vous ne l'avez pas dessus, vous l'installez et vous faites exactement la même chose. Par contre, je vous conseille de redémarrer la console pour que ça le prenne en compte. Donc, vous installez, vous redémarrez la console, vous repartez et vous cliquez ici sur ce petit bouton. Voilà. Si ça ne marche toujours pas, troisième possibilité, vous allez ici dans les gérer le jeu module complémentaire. Voilà, vous cliquez ici et en fait vous descendez et vous allez voir aux extensions ici bêta ouverte. Si elle est cochée ou pas cochée, vous allez, si elle est décochée, vous la cochez et vous appuyez sur la droite ici juste en dessous. Il y a écrit enregistrer les modifications, ça va les enregistrer. Et ça va vous envoyer le téléchargement et il va se télécharger. Voilà. Donc là, fait comme ça, c'est pareil. Vous redémarrez la console. Voilà, vous redémarrez la console. Et vous relancez le jeu. Vous relancez le jeu et ça sera arrivé ici. Voilà. Alors voilà comment on peut installer la bêta. Vous avez ces trois façons-là pour réinstaller la bêta. Alors si vous êtes dans le même cas que moi, où vous n'avez pas acheté le jeu, voilà. Vous n'avez pas précommandé le jeu, vous pourrez jouer la bêta, mais pas de suite, ce sera le 14, si je ne me trompe pas. Donc là, à partir du 12, vous pouvez jouer la bêta, mais seulement si vous avez acheté le jeu. Si vous n'avez pas acheté le jeu, malheureusement, ce sera le 14. À partir de quelle heure, je ne sais pas, mais c'est 14. Et par contre, il faudra faire la même manip que je vous ai fait. Logiquement, si vous l'avez déjà installé comme je viens de le faire, la bêta, le jour J, le 14, vous n'aurez pas de problème, vous appuierez juste là sur le mode bêta et le jeu se lancera. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile.
Pensez bien à vous abonner, à liker les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous, si vous pouvez faire tout ça, ça fera connaître et avancer ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne game, et on se retrouve à bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao ciao!